Salut la famille et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Coup d'envoi. Le rendez-vous de la semaine, c'est chaque mercredi à 19h sur notre chaîne YouTube. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle, veuillez vous abonner pour ne rien louper concernant cette émission bilingue que moi, Merveille Willow, je vous présente en collaboration avec notre analyste maison, Gédé Luis Koupa. Comme vous le saviez, l'actualité sportive en République démocratique du Congo reste dominée avec la nomination de Sébastien Desabre comme le nouveau sélectionneur des Léopards A de la République démocratique du Congo. On revient juste après cette transition pour décortiquer cette actualité avec notre expérimenté Gédé Luis Koupa. Et oui, comme je vous avais dit, pour décrypter cette actualité, je suis donc accompagné comme d'habitude de notre expérimenté analyste maison, Gédé Luis Koupa, à qui je salue. Bonjour Merveille, bonjour à tous nos fidèles abonnés de Léopards Leader Foot qui sont toujours là pour nous, pour nous suivre. Évidemment, nous sommes là encore pour parler du sport, de l'équipe nationale de la RDC. L'émission Coup d'envoi, c'est toujours un réel plaisir lorsqu'on partage les activités sportives. J'espère qu'on sera à la hauteur. Exactement, Gédé Luis Koupa. Sébastien Desabre met fin au suspense et il annonce officiellement sa nomination comme le nouveau sélectionneur des Léopards de la République démocratique du Congo. Évidemment, il a confirmé finalement tout ce que la RDC pensait à propos de lui. Donc voilà, il est sélectionneur de la RDC. Et voilà, après tout ce qui s'est passé, d'abord un démenti de son club Niort, et enfin lui-même il a confirmé qu'il sera le nouveau sélectionneur de la RDC. Voilà, on va l'accueillir, on va espérer qu'il viendra avec beaucoup de bonnes choses. Parce que les Congolais vont se laver, les Congolais vont se laver, d'ailleurs, tout profil, ils vont être intéressés par les Congolais. Peu importe, c'est comme je l'ai dit depuis le début, les Congolais ont besoin de profil sur Nintendo, ont besoin de moto. À quoi on met ma résultat? Voilà, on a un problème à l'angle, le résultat est bien. Pour que l'équipe nationale de la RDC, comme déjà Tobanek, tout le monde le sait, parce que troisième match comme ici doit dans des sabres. Si c'est un profil parfait, bon, je pense que est-ce qu'il y a des sabres, c'est le bon choix? Le bon choix, déjà en termes de communication, oui, parce que c'est un sélectionneur français, il parle français, la plupart des joueurs congolais parlent français. Voilà, c'est aussi un leader, on a vu tout ce qu'il a fait avec l'Ouganda. Ah ben ça l'a peine un bon travail avec l'équipe nationale de l'Ouganda. D'ailleurs, il a bâti Florent Ibenge en 2019. Exactement. Match d'ouverture 2-0. RDC Ouganda 2-0. Un très bon match ces jours-là de la part de l'équipe Naé Ouganda. Voilà, donc c'est quelqu'un avec du football africain. C'est vraiment peut-être les profils, oui. Mais après, le résultat et la réalité sur le terrain, c'est autre chose. Alors, revenons un peu avec cette situation qui avait fait couler beaucoup d'encre et salive. Alors, la FECOFA annonce la nomination de Sébastien Desabre comme nouveau sélectionneur et son club, Chamois Niortais, demande la situation. Et au finish, c'est lui-même le sélectionneur qui va confirmer. Est-ce que c'était une mauvaise communication de la part de la FECOFA à propos de Sébastien Desabre? Évidemment, c'est une mauvaise communication de la part de notre fédération. Moi, je sais que Niort, pourquoi les Charmants Niortais, ils ont réagi directement avec un démenti? C'est pas parce qu'ils n'étaient pas au courant, non, c'est faux. Moi, d'après les informations à ma possession, bien sûr, j'ai appelé des gens à la fédération et tout, et même au gouvernement de notre RDC, dans le ministère des Sports, on m'a confirmé clairement qu'il y avait déjà un accord qui a été trouvé entre la RDC et Sébastien Desabre et aussi Niort. Ils étaient au courant. Est-ce que c'est vraiment une chose, si la FECOFA veut engager un sélectionneur, il doit passer par le club? Absolument, c'est comme ça que ça se fait, parce que Desabre était encore sous contrat avec Niort, donc ils ne peuvent pas aller solliciter un sélectionneur sans passer par son club. Déjà que Desabre, il y a un comme tu as postulé, il a postulé comme tous les autres candidats, il a postulé à tel profil, là, il a dit non, mais c'est bon. La FECOFA et la RDC ont communiqué à Niort. Pourquoi Niort a fait ses démentis? Parce que les timings étaient très mauvais. Surtout qu'équipe est bête à qui, première journée, la police fait 4 buts. Voilà, justement, c'est pour ça que ça a démenti. Annonce à FECOFA, Tomagi, au mauvais moment, la timing m'a révélé. L'équipe a préparé le match à première journée, en peine, à quelques heures. On sait, Ninona, qu'est-ce que ça pouvait créer dans mon joueur, dans mon staff, dans ma supporter et tout. C'est pourquoi ils ont fait ces démentis-là. Malheureusement, le résultat n'a pas suivi. Et pour voir réellement qu'il y avait déjà quelque chose derrière, après la conférence de presse, Sébastien Desabre, on lui a posé la question sur la RDC. Il n'a pas démenti. Il a dit clairement que je communiquerai plus tard. Là, c'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Ah, oui, oui. Donc,
voilà, tout a été clair, mais la communication à RDC, l'annonce, il fait qu'au fait, tout magne à un mauvais moment. Il fallait attendre peut-être après que les sélectionneurs Yumogo a annoncé en Gobe. Bon, c'est déjà fait. Ce qui est sûr, il sera le nouveau sélectionneur de la RDC. Sébastien Desabre, une histoire d'amour avec l'Afrique, car il a fait 10 ans en Afrique et 10 équipes différentes. Voilà, donc c'est une histoire d'amour, évidemment. Je pense que à un moment donné, il faut aussi savoir faire confiance. C'est vrai, Togo l'oba nion, Togo l'oba sur sélectionnaire, etc. Mais bon, tout le monde a créé une polémique dans les réseaux sociaux, tout le monde. Pourquoi ça a confiance dans le coach le côté, etc. Mais bon, et là, Togo, ça n'a que quelque part, le coach local et Afrique, ça a vraiment crédible. Pourquoi je dis ça? Je n'ai rien contre eux. D'ailleurs, la plupart des Ebélé, ça a respecté, respectueux. Comme Flora Ebengé, Ebélé, je ne peux pas citer tous les noms ici. Oui, oui. Ils sont nombreux, on respecter. Maintenant, Boulou, l'avant comme ici. Seulement qu'il y a ça là-bas un peu confiance. À force, à défaut, ça là-bas en confiance, ils ont perdu un peu crédibilité, une certaine crédibilité. Les Français, quand ils viennent avec des exigences. Bah, ce qu'ils font, ils prennent des engagements avec les gouvernements. Mais bah, sélectionneur, il y a Afrique et les Azala. Aza, sélectionné équipe nationale, Mogobo, Songolo, Pakala. Mais Azala a contraté et puis trouve ça normal. À un niveau travail, bon, du coup, tu te feras pas respecter. Tout à fait. Donc, d'après mes coulisses, des sabres va toucher une somme de 40 ou 45 000 dollars le mois, contrairement à Hector Cooper qui touchait 55 000. Voilà, et cet argent il va partager avec son adjoint, il viendra avec son adjoint et son préparateur physique. Voilà, c'est une bonne chose. Mais bon, je pense que c'est tombé moi dans mon moment, moi vraiment bien. Ouais, il y a aussi un souci, m'a nommé Sébastien Desabre avant l'élection à Fekofo. Est-ce que créer moi des équilibres à mon côté pendant mandat, je peux dire non, bah, non, pas. C'est possible, hein, c'est possible. Je pense que le moment est très malvenu parce qu'il fallait peut-être dès qu'on allait vite en besoin choisir un sélectionneur. Le grand problème derrière de ces annonces, l'élection paie la fédération. Tant que le comité et au Kindi, parce que le match éliminatoire va repousser en 6 mars, l'année prochaine. Donc, ça ne vaut pas la peine dans ça là-bas, choisir un sélectionneur rapidement. L'élection, ça, les d'ici décembre, d'ici septembre ou décembre, dès la FIFA veut la salle d'élection et tant comité à Sikana y a même tout ça la choix à sélectionner à Sikana y a la méthode à Sikana va formule à Sikana avec un nouveau vent donc bah ça va bandel et penza et bandel. Mais bon, je n'ai pas compris pourquoi ils sont allés vite en besoin pour signer les sélectionneurs. Mais bon, c'est le gouvernement congolais peut-être à mon avis qu'il fallait les faire. Je ne sais pas des raisons, mais pour moi je ne suis pas pour. Il fallait ça, bah bon, c'est tombé très au très mauvais moment. Il fallait peut-être attendre, mais après il y a aussi un profil qui est là, des sabres. Il faut vraiment analyser les profils. C'est un monsieur de caractère, c'est un monsieur qui sait communiquer, il parle bien. Après, les travaux sur le terrain, c'est autre chose. Il est passé par surtout l'Afrique du Nord, hein, la Tunisie, la Pyramide, l'Espagne de Tunis. Voilà. Donc, à Ebi Football, il y a Nord. Moi, ma casse, c'est que les subsahariens, le roi Ebisso. Voilà, on espère qu'il va apporter son expertise à les gars dans la club Boana, ce soir. C'est vrai, il n'a pas un palmarès qui costaud, sur une ligne. Ouais, il est juste champion avec Asec Mimosa en 2014. A gagné qui paye sous championnat à Maroc, la Wydad. Mais on parle pas grand chose côté palmarès. Est-ce que côté un peu écologique qu'on réduit la chance qu'on a été? Donc réduire chance peut-être ou peut-être pas, parce que parcours il y a club qui m'a choisi le monde. Plus à l'égard de la club, parce qu'il y a un fonctionnement de la club qui national, je pense à Ouganda. Ouazaki il mine à quart de finale si je me trompe. Donc ils avaient peut-être une performance à Makassi à Ouganda, Nakan depuis l'histoire. Première Coupe d'Afrique, première TM, enfin, première ligne performance à Makassi à Ouganda, ils avaient Nana des Sabres. Donc peut-être à l'Inga à Bandilas comme expérience avec l'équipe nationale, peut-être ça va réussir. Mais le football africain déjà. Parce que à cause d'attendre vraiment à étudier l'équipe nationale et l'équipe nationale bien des problèmes aux Tourouana, tout ça il viendra avec un autre discours. On veut un discours. Ce qui a tué Cooper et Zaki, communication en grande partie. C'est ça. Le monsieur avait ses idées dans sa tête, mais il savait pas transmettre. Azo Loba interprète à Loba Maram Soussou, donc il va jouer à comprendre Maram Soussou. Je vais pas la fond, la plupart de la francophone qui est. Donc, tu as la grave étape en effet de traverser vos messages comme mais un sélectionneur français, quand ils parlent en français, même balingalophone, même sous français, ils savent comprendre. Donc je pense que côté communication déjà c'est un point de plus, et après côté profil, caractère, charisme, tout ça on va découvrir avec le temps. Et donc voilà, on va espérer qu'il viendra et qu'il va déjà se mettre au travail, parce qu'il est face à la mito avant même à signer contrat officiellement. Je pense qu'il doit déjà commencer à regarder la Mauritanie. Il y a moins de soucis. Voilà, Sébastien Desabre, nouveau sélectionneur des Léopards, appris plutôt des Léopards de la République démocratique du Congo, des Léopards A. Mini Tokoki qu'on espérait dans Sébastien Desabre comme nouveau sélectionneur. Je pense que si on espérait, ça m'a bien causé là, de pas certainement nous.
Oui, on peut espérer beaucoup de choses de lui parce que Neto tout le monde soit que c'est un coach expérimenté. Mais bon, tout le monde peut vite en besoin de tout ça, les belles je m'en casse parce qu'avec Cooper, moi-même, je me suis rattrapé dans la propos langage. Je voyais Cooper, un monsieur, parce que avec tout son palmarès, je pensais qu'il y avait un leadership parce qu'il il a été réputé, coach Wazara, la rigueur, Wana, tout ça, il ne blague pas, tout ça, tout ça. Mais réalité, c'est autre chose, il était nonchalant, agro-lobaté, tout ça. C'est parce que la plupart, en tout cas, excusez-moi de les dire, la plupart, j'ai l'impression, en tout cas c'est mon avis, j'ai l'impression que la plupart des sélectionneurs européens la respectent à peine la nation africaine. Soit la nation Moboué, ça dépend de la nation des paysans. Soit la nation Kosa, Banor et Nord, Maroc, Tunisie, Égypte, Sénégal s'est fait aussi déjà respecter. Il y a un pays à miner les paysans. Ils ont payé. Voilà, au moins la sous sélectionneur Azar, Bazo Zige, Biloko, Bazo Sal. Mais la nation RDC, c'est la grande nation en football. La grande nation en termes de popularité, de superficie. Mais côté administration des fédérations pesantes, ça pose problème. Au moins, la sélectionneur Mouaïwana, il peut se permettre tout. Pour Abiké, suivi aux Alatés, voilà comme Cooper s'est permis beaucoup de choses. Alors, il y a le roi comme tous les joueurs, le joueur est en côté, Afandi Naye, tout ça. Donc, laisser aller, Moko Boye, Naba Sekrem, Soutoubolo Baté, Bablo, Bakouli, Sebele, et les gars qui entrent à joueurs, on ne peut pas dire ça à la télé comme ça. Mais on nous étions proches de l'équipe nationale, on a vu vraiment de l'amateurisme. Je pense qu'ils l'ont essayé, ils ont assouté. Des sabres, Aya, gouvernement. Congolais, fédération, va imposer Biloko. À ça, m'amener à l'ingité, mais n'est-ce pas l'ingité. Il y a Senga, qu'est-ce qu'il aura comme besoin, ce qu'il a besoin, surtout Senga en retour, bah, résultat, tu imposer Biloko comme s'il doit. S'il va signer un contrat de, je ne sais pas, de combien d'années, 3 ans, 2 ans, à Zala, logé en RDC. Parce que la base, peut aussi, c'est le football local. C'est local, ça. Moi, faillit, mais il y a toujours ma perle, les rares, joueurs à bien, Bazala. S'il a l'œil, le football local, la bisou, à l'année, la table des championnats, à Talatala, vite, à Mazemé, tout ça, c'est vrai que ça va nous souhaiter. Alors, ce qui est sûr, à repêcher, attends-moi 2, 3, 4 des joueurs à bien pour renforcer l'équipe Néo Sal. C'est vrai, c'est un blanc, c'est un français, c'est un professionnel. Mais maintenant, il faut que. Moi, je pense que la fédération. Il faut travailler dans la direction. Le problème avec la fédération, la direction technique, la mission. Moi, je vous dis vrai. La direction technique nationale, la mission, il y a un défaut, il propose un style de jeu, bah, joueur, la proposition. Parce que, bah, joueur, bah, ça, moi, j'ai vu. Moi, récemment, j'ai vu une liste et une base de données. Il y a un joueur et l'équipe nationale, ils ont enregistré. La fédération, mais j'ai pitié. Le joueur va m'aboîter, va ça toujours dedans. Baboki là, va ça toujours dedans. Donc, le joueur va ça, va y rassouter depuis 2015. Donc, les bases de données, va se fier là, toujours. On m'a appelé ça non, moi comme base. Après, ma coach, on m'a ça là, joueur tel et à vie tel. Donc, Bablo, on a un petit cabaye. Ma commission, on a bâti Kamou. Bâti la Dissabre, à Sam Salana, il y a des joueurs comme des Sila Katoum, pas championnat Bandi. D'ailleurs, là, les psyches, il a fait un très bon match. Le joueur à Brentford, comment il s'appelle, Wissa. Titulaire indiscutable, disquaise qui avec Félam, titulaire indiscutable, Chancel même avec Marseille, titulaire Cédric Bakam Bakoti là, après c'est pas ça, je sentais que l'international soit bandit championnat Kitoko. Il y a le copé Banda, donc à ça les pénales sélection, il y a méritocratie avec la méritocratie, c'est pas vraiment mérité. C'est possible, papa. Mauritanie va évoluer dans le football. Déjà, des sabres arrivent avec une première échéance très compliquée, il y a éliminatoire, il y a prochaine Cannes, RDC, Rataki entraîne avec deux défaites. Est-ce que Aouzana Kulona y a quoi tenir ceux qui sont ici invités parce que pour être deux matchs déjà, ils avaient très passé. Pour suite, ils avaient aussi compliqué car l'équipe vont l'appeler Bazan a besoin de se qualifier. Est-ce que ceux qui sont invités, la situation est vraiment compliquée, ma casse pour la suite, il y a Mandan Naina Balou pas. C'est possible, hein. Ils ont un défi, donc ils ont un défi où il y a un relevé parce qu'il est en OIA et avant cinéma contraint sûrement autant la objectif pour avoir signé, objectif Nini. Est-ce que l'objectif est pour qualifier RDC dans Cannes? Ceux qui ont un premier objectif, il faut étudier est-ce qu'ils sont capables. Soit vous êtes capable. Il y a qu'on atteindre l'objectif à Libosso. Donc je pense qu'avant hier mois signé officiellement, il faut à s'assurer que à signer tu pas échoué. Faut avoir un moment qui n'était signé pour atteindre l'objectif. L'objectif même chose entre autres c'est qualifier la Cannes. D'abord il faut à la premier objectif. Il m'a autant ligué place aux Ali toi dernier avec 4 matchs à jouer pour chercher les 2 premières places. Surtout que c'est qualifié. Surtout qu'on est capable y a pour atteindre l'objectif on a évidemment à signer contre. Je pense que c'est toujours possible que tout se qualifie. En tout cas, et ils ont des défis qui
Yemoura Ibi comme un professionnel qui est à Aurélien. Ah, ouais. Et puis c'est la Mauritanie, mais bon, on néglige pas la Mauritanie, on respecte cette nation. La Mauritanie, bon, après toujours, le Gabon. Voilà, après le Gabon. Le Gabon est comme une bête noire, à zone traditionnelle. Bon, toi comme ça, Gabon bête, donc, avec tout le respect que j'ai pour le Gabon, hein, c'est mon analyse. Moi je pense que la RDC peut battre l'équipe en Agnon, son phase retournale. C'est possible. Bah ça là-bas va foudre les guerres et tout ça. Non, tout ça, nous sommes déconcentrés souvent. Mm-hmm. Tout ça a problème Liboso. Tout ça a peur. Un problème Liboso à 4, tu te mets en haut. Ce match à RDC, tout le monde a le rose à moi. Des mots noirs, c'est survolation. Nous sommes dans l'esprit. Bah tout le monde a rendu tout pour là. Alors qu'on a toutes les possibilités d'immense. Quand on se montre, c'est compliqué. Voilà. Tant que tu es là, on a sur le terrain. Et on est RDC, on va bander et comment passer. Donc, comme là, on va venir et si tu es poli. Non. Combien de fois on va venir contre la Guinée, la Kata Guinée avec Fouad à l'époque. Je me rappelle très bien. Tadabi à Kebanou et ensuite Bolassier. Bolassier, voilà cette génération là. Combien de fois Babadab Soubi te remonte en la CAN 2015? Tunisie a mené Bissoti, match Ngessi là. Donc le match, nous t'as arraché, toi, les quarts de finale, Bokila et Tabi, combinaison en Bokali. Oui, oui, la quart de finale, Congo Braza, Bandel, ce deux Braza, Bandel, ce Piton. On est capable de tous les mêmes RDC, il a un état d'esprit. Parce que c'est état d'esprit comme guerrier, c'est capable de tout gagner match. Moi je vois maintenant la RDC gagner tous les 4 matchs restants, sans prétention aucune bien sûr, avec les adversaires, mais on doit se mettre au sérieux. Je pense que des sabres, quand on signe, on arrive à vos petits finir à atteindre. Et puis voilà, et donc, allons-en, le temps est aussi favorable parce que bientôt en mars il y a New Orleans. Mais de ça, par exemple, on attend mon biba qu'on étudie, bah, diversifier, malin, pour qu'il apporte justement, il y a bien. Absolument, ça attend. Donc, je pense qu'à un moment donné, le bien, depuis que Toké vite en besoin de te juger, mais quelque part aussi, il faut tout à l'heure des aspects des choses. La volée, Moussou, se zappe bien, parce qu'il permet de travailler. À ce temps, non seulement il y a qu'on étudie, bah, adversaire, il y a qu'on bah, joueur congolais. Ah oui. Parce que c'est le grand problème avec Cooper qui ne connaissait pas les joueurs congolais, qui ne connaissait pas le football congolais. C'est ça. Donc, des sabres, à ce temps, il y a un joueur congolais, à Talibango ne va évoluer dans le club d'Abango. Alors c'est faire d'idée, il y a groupe n'ailleurs au Salanango. Malé, il note, il y a des joueurs comme des Théo Bongo. On a des très bons joueurs, je pense, en tout cas, que les générations où peut-être il y a meilleur, mais malheureusement, il y a toujours des problèmes. Je pense qu'on a toujours la possibilité de faire quelque chose et de savoir s'il est conscient de ce qu'il veut, s'il veut vraiment gagner. Parce qu'il y a aussi des tas d'histoires compétiteurs. Quand on se trouve dans l'état compétiteur, à cause de la bombe, mais il n'est pas compétiteur. C'est ça. Moi, guerrier, le gars, Hervé Renard, il vient, il prend une équipe, il y a un mental pour gagner, donc il faut état d'esprit à Zanamo et à Mouana. Mais je ne discute pas, tu as toujours focus sur la CAN, pourquoi pas tout à l'avenir pour l'Obi, vous appelez la Coupe du Monde des Oya, pourquoi pas te lancer pour Joana, il y a participation à la Coupe du Monde, tu as vu qu'elle t'a été couratée récemment, ah, tu as qui vont presque, mais tu n'as pas qui. Pourquoi pas que tu as projet encore et permettre de participer à la prochaine Coupe du Monde, au décembre, pour étudier, je vais aller, tout le monde allemand pour qu'il remporte la Coupe du Monde à Zoya qui 8 ans, des arbres possibles aussi. Pourquoi tout ce qu'il est temps avant tout ce qu'il y a, même si à loupé n'a eu première échéance, mais toujours souhaitant, on tient ça loupé, mais tout à la paix à venir, coup du monde des heures, vous allez le moins. Moi, ce qui dépend de la comité, c'est qu'il y a fait fort. Je pense qu'ils appellent fait la cheval des batailles, parce que la comité, on ne peut rien espérer, en tout cas, on ne peut rien espérer. On a vu, donc merci pour tout ce qu'ils ont fait. Oui, tous les Mibino, merci s'il vous plaît. Et vous pouvez en tout cas vous reposer tranquillement parce que vous avez fait tout ce que vous avez pu, mais bon, et ça n'a pas atteint à 100%, laisser aussi la place à d'autres intelligences privées, mais quand essayer. Je pense que le comité Sikioyawana, des sabres, sur leur signé d'ici ou pas, je pense que en septembre, octobre, novembre, décembre, en date étudier les joueurs, il y a un comité Oyawana et est-ce qu'on a un projet à long terme au Lubana justement. Projet à court terme, ils ont là. En tout cas, les qualifications dans la CAN. À long terme, ça peut être toujours travailler dans l'année, tout ça, toujours relève. Parce que les joueurs, tout le monde s'en est, mais il y a la trentaine. Ou la 6-30, Bakamou, déjà. Chancel, bientôt trentaine. Beaucoup de joueurs, la plupart, la trentaine déjà. C'est déjà presque trentaine. Donc il faut préparer relève. Kebano, c'est dans la trentaine déjà. Donc il faut préparer une relève avec notamment Silas Katompa, un peu jeune. Théo Bongonda, il y a 26-27 ans. Pousser ma trentaine, joueur va s'allier. C'est belé. En tout cas, tout l'année, la Penza, le part leader, il faut d'ailleurs tout communiquer. Chaque week-end, ce joueur, on a partout dans le monde, on va être jeune, tout ça. Ils attendent, on va approcher vraiment un projet, c'est séduisant. On va approcher, on va dire, on va club, on va dire, 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 on va d
l'hôpital Massina va club amener comme compliqué. Donc pour l'année là-bas on déjà couru savoir que voilà on a un projet pour encadrer bango pour ta cellule mobo. Ils appellent bango bazin ba club amener wana. C'est tout tient vraiment pression bako pour rien là bango. C'est un projet. Tout est possible, tout est possible avec un bon projet. Je pense que c'est toujours possible. Hein. Donc, je me souviens de Nordi Moukile, par exemple. C'est peut-être difficile à espérer parce que c'est presque un international français. C'est vrai qu'il y a un habitant dans le match officiel. Ouais, bah, Colomouani, déjà. Colomouani, non, Colomouani, c'est possible. À Francfort, c'est vrai. À Zoutina, même la pépite, il y a Bayer, Rwanda. Bah, c'est bien. Ouais. Donc, je pense que c'est le moment vraiment, Olandais, là-bas, joueur, Rwanda, avec un bon projet, de se prendre au sérieux. Peut-être à cellule, Moubou, et détection, Babi National, ou approcher, basé en Europe, le club de Moubou, et confiance, va confier cellule, Moussou, à la Congo, détection, la pépite. Parce que la Congo, t'as là, il y a ma pépite, ça, là, moi, et Clara, on va toucher, moi, et voilà, Moussou, Moubou, Moubou, Sangui, si groupe, Rwanda, vous formez, bon, bien, vous bandez, non, non, bah, U23, non, bah, U23, non, bah, U23, même, bah, U17, ou plus, ça, bon, Bouana, bah, Zou, Matamale, Malé, mais tu vas, prochain Coupe du Monde, 2026, ils seront déjà aguerris et ils pourront représenter la RDC. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro autodécrypté pour Nabino. À propos, il y a un nouveau sélectionneur, il y a Léopard, Sébastien Desabre. Aujourd'hui, vraiment, analyse, on croit bien avec notre analyste et maison, Gédéon Scoupa. Et vraiment, je suis vraiment très heureux de vous avoir nombreux au Capté Mission de partout. N'allez pas oublier que le rendez-vous, c'est chaque mercredi à 19h sur notre chaîne YouTube. Et abonnez-vous massivement pour ne rien louper. C'était bien merveilleux, Willow. Et merci à toute l'équipe de Léopard Leader Foot. Sans oublier Scott, Cad, Ruben Lopez, Emeric Abongo, Jason Mitonga et aussi Meshach Niembo derrière la caméra. On se retrouve prochainement pour un autre numéro.